Enrico Macias appelle à dégommer la France insoumise physiquement. Le chanteur français de 84 ans, d'origine juive algérienne, était ce mardi 10 octobre invité de l'émission L'heure des pros sur CNews. Enrico Macias s'est exprimé sur le parti La France insoumise qui, depuis les attaques sur Israël, n'a jamais qualifié le Hamas d'organisation terroriste. Non, non, il faut les dégommer. Politiquement. Oui, ben bien sûr, mais peut-être même physiquement. Électoralement. Gêné, le présentateur Pascal Praud l'a ensuite invité à retirer cette phrase. Je retire cette phrase que vous n'avez pas pensée. On ne peut pas aller sur ce type d'injonction. La France insoumise n'est pas responsable des crimes. Et voici ce que Enrico Macias lui a répondu. En réagissant comme ça, ils sont complices. Plusieurs figures de LFI se sont donc indignées de cette séquence. À force de répéter du matin au soir des mensonges sur LFI, des gens qu'on aime finissent par les croire et appeler au meurtre. Je ne reconnais pas Enrico Macias dans ce propos. Le député LFI Thomas Porte a annoncé saisir la justice et l'ARCOM, l'autorité de l'audiovisuel, contre le chanteur.